Il est écrit ici comme ça. Velo yeshev velo isha. Un homme n'a pas le droit d'être sans une femme. C'est très important d'expliquer que quand on parle d'un homme, on parle aussi d'un jeune homme. Dès qu'on passe l'âge de 13 ans et commencent les évolutions et les hormones, les pulsions, et que Dieu nous en préserve les choses qui sont négatives, il faut tout de suite permettre à l'homme d'être avec une femme. Ça veut dire que on doit les marier le plus jeune possible. Donc on doit les maintenir le plus tard possible. Comment on peut les tenir entre l'âge de 13 ans et l'âge de 18 ans, qu'on dit à 18 ans la choupa? Et de nos jours, des fois, c'est très très long. La seule façon, c'est comme on dit dans les cours précédents, c'est d'aligner la pensée. Si quelqu'un est préoccupé par un travail, par des éducations, des choses importantes, ça ne va pas l'attaquer. Parce qu'il est écrit, El marchevet avera, nimtzet ela belev, panoy mina chokhma. Quand dans le cœur on n'a aucune sagesse, aucune intelligence, rien ne nous intéresse, alors qu'est-ce qui nous intéresse? Ça nous intéresse. Mais quand on est intéressé par beaucoup de choses et on est très vif, alors on n'a pas le temps de penser à ça. Et bon, Hachem, c'est pour ça qu'ils leur font les études dans les endroits où on fait attention à ça. Malheureusement, on a entendu parler de beaucoup d'endroits qui ne font pas attention à cette impulsion et ils ne comprennent pas la création du mal qui se fait de ces impulsions. Et après réparer tout ça, c'est vraiment pas facile. Alors il faut éduquer les enfants, les filles et les garçons. Et beaucoup de gens me disent, comment tu fais avec eux? Comment tu arrives à les remettre dans le juste milieu? Je leur ai dit, écoute, tu vas te marier. On te prépare au mariage. Donc, il sait. Ça veut dire que quelqu'un, il a le savoir interne qu'il a sa femme. Elle va venir. Ça va prendre un mois, ça va prendre un an, mais on est dans le chemin de t'amener ta femme ou t'emmener ton mari. Parce que chez les filles, c'est pas moins grave. Alors, il est écrit ici, « Velo yeshev belo isha » interdit d'être assis sans une femme. Il faut faire un parallèle, une ressemblance. Il est écrit Meyushav Bedato. Ah oui, parce qu'il ne comprend pas, il achève. Pourquoi il est assis à côté d'une femme? Pourquoi les chefs? Non. C'est Meyushav Bedat. La date, le savoir de l'être humain doit être bien, bien emplacé. Ça veut dire que. S'il vous plaît. Ça veut dire qu'un être humain doit avoir ce qu'on appelle l'ishuv à da'at. Pourquoi on doit connecter le da'at avec la femme? Parce que la femme, c'est pris à da'at. Qu'est-ce qu'elle fait en effet? Elle fait monter le menoubin, qui est le liquide féminin. Et quand le liquide féminin monte, ce qui descend, c'est le liquide masculin qui s'appelle da'at. Vechonen emitra chokhma bina. C'est Yichud, Abba, Vima, Vada'at. Et c'est quoi le Da'at? C'est ce qu'on a dit en haut. Veda'at Nechona. Alors vous voyez, comme tout, il faut lire tout avec toutes les liaisons. On ne peut pas prendre les extraits, les mots et les séparer les uns des autres. Quand lui, il a écrit la halakha. La halakha, c'est les ordres pour bien vivre dans ce monde, pour être dans un réseau de confort, pour être bien. Pourquoi c'est écrit? C'est écrit pour notre bien, pas pour notre mal. Alors il dit ici, Sheminak ze goren le taragdola. Ceux qui font attention à ça, dans un autre endroit, dans Ibn Ezer, il explique qu'un homme n'a pas le droit d'être 30 jours sans une femme. Maintenant, les femmes vont se révolter, et nous, une femme, elle a d'autres façons de vivre. Comme la femme, son physique est différent de l'homme, ses pensées sont différentes de l'homme, l'homme a besoin de da'at, ishuv da'at, et la femme n'a pas ishuv da'at, puisqu'elle a da'at yetera. Elle a une chokhma élevée. L'homme, il a besoin de ishuv da'at, il a besoin de faire asseoir sa apaiser
l'homme a besoin d'apaiser sa conscience. Tout doit rentrer dans des carrés. Une femme, elle peut aller dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Un homme, il a besoin que tout rentre dans les carrés. Si ça ne rentre pas dans les mishbatzot, exactement dans les carrés, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, Yetera mikozot amru. Ils ont dit plus que ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les sages? Yefane atzmo ou marchavto les divrei Torah. Ah, qui fait de la place pour les. Il faut qu'on fasse de l'espace dans notre cerveau pour l'étude de la Torah. C'est quoi l'étude de la Torah? Torah, mais le chant aura. C'est quoi aura? Quand une personne étudie des choses qui lui donnent un chemin. Moré derer. C'est quelqu'un qui te guide dans ton chemin. Donc tu dois étudier des choses qui te guident dans la vie. C'est pas spécialement quand on va étudier la Torah. Puisqu'il est écrit Yesh Torah, Yesh Chochma Bagoim, Yesh Torah d'Israël. On a plusieurs enseignements. L'enseignement doit te guider. Si tu étudies une philosophie qui t'emmène à rien du tout, qui te guide à nulle part, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait dans ça. Sur un mode de vie. Exactement. Ça doit te guider, ça doit être un guide. C'est pour ça que moi, beaucoup, j'envoie les gens vers les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est une sorte de guide qui est à la fois le contrôle spirituel et le contrôle du physique. Plus tu es dans le contrôle du spirituel et le contrôle du physique, tu sais respirer comme il faut, tu sais penser comme il faut, tu sais bouger ton corps de façon que toi tu maîtrises, tu es plus proche à la Tahara qu'une personne qui dit d'un coup qu'est-ce que je peux faire, c'est sorti. Ça veut dire quoi, c'est sorti? Qu'est-ce qu'on est, des animaux? On n'est pas des animaux. Même les animaux maîtrisent. Pourquoi l'homme ne maîtrise pas? C'est parce que la da'at qui est là, il n'est pas égalisé. C'est pour ça qu'il dit « Ve'yarchiv da'ato b'chokhma ». Ça veut dire quoi? Qu'il doit élargir son savoir avec de la sagesse. Le savoir et la sagesse n'est pas la même chose. La sagesse doit nous donner du savoir de vie. Si la sagesse ne nous emmène pas vers le savoir de vie, ce n'est pas une sagesse. Si quelqu'un étudie, et à la fin ne se comporte pas comme il faut, en quoi ça a servi son étude? Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, ça a fait du mal. Mais si quelqu'un étudie et son comportement change, il maîtrise ce qu'il fait, alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire sur lui? Ils diront, ah, t'as vu celui-là? Comment il sait des choses, comment il se comporte, comment il se maîtrise. C'est ça le reflet qu'on veut voir. On veut voir que la personne, la sagesse, l'a emmené à maîtriser sa vie. Il dit, « She'en marchev et arayot » la pensée négative du rapport intime, c'est arayot, « Mitgaberet » elle prend le dessus, « Mitgaberet » elle devient plus forte quand élève panoï minachokma. Quand dans notre cœur, il n'y a pas de sagesse. Maintenant, je vais expliquer ça. L'être humain à la naissance, il a un démon. Ça s'appelle Shindale. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans son cœur, il le gonfle, et il fait grandir le corps, le corps, le corps, le corps. Grandit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et on voit que d'être un bébé jusqu'à l'âge de 13 ans, ou pour la fille, 12 ans, en 12 ans, on a grandi presque le maximum qu'on va grandir toute notre vie. Après, de 12 ans, 13 ans jusqu'à 18 ans, c'est pas trop. Donc on voit que le démon l'a aidé à grandir. Mais maintenant, si on ne va pas contrôler ce démon, il va l'aider à quoi? À diminuer. Comment il va diminuer? Il va lui faire, ou au garçon, ou à la fille, faire circuler dans son corps des envies, des sensations. Et les sensations vont faire sortir le liquide ou féminin ou masculin,
qui ne va pas aller dans le corps à corps. Il va aller dans un corps démon-corps. Et là, on a un grand problème qui s'appelle dans le Zohar Kadosh, Nig'el Bene Adam. C'est pour ça qu'il y a un pasuk, Venega, lo ikrab bo alecha. Nega, c'est la lèpre. On ne veut pas que la lèpre s'approche de ta maison. Les lettres Nega, Nun Gimel Ein, c'est aussi les lettres Oneg, plaisir. Donc, si tu veux vraiment aider quelqu'un, que cette sensation ne prend pas le dessus et lui fait sortir du liquide que lui-même il ne veut pas faire sortir. C'est pas que quelqu'un, je pense pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui veut des problèmes et qui veut avoir des maladies et qui veut avoir des, je pense pas qu'il y a des pauvretés et je pense pas que ça existe ces êtres-là. Donc qu'est-ce qui différence entre un être que Baruch Hashem va se comporter d'une façon pure et un être qui va se comporter d'une façon impure? L'être qui va se comporter de la façon pure, c'est un être qui maîtrise son physique et sa pensée. C'est pour ça qu'il dit En marche v'tarot mitgaberet ela belev panoui min hachokhma. Et en haut on a dit Lev tahor bera li Elohim. Je veux un cœur pur. Quand est-ce qu'on a le cœur pur? Quand on a l'amour. Quand on aime quelque chose. Quand on aime quelqu'un. Quand on aime ce qu'on fait. Quand on est intéressé par notre vie. Quand on est dans une activité qui nous emmène dans un chemin qu'on aime. Il n'y a pas de place dans le cœur pour faire entrer des bêtises. Mais quand, chas v'shalom, malheureusement, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma femme, j'aime pas mon vécu, j'aime pas mon travail, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est vide. Le cœur se vide tout doucement, l'espace qui est vide se remplit par des pensées. Qu'on n'en veut pas, en vrai on n'en veut pas parce que à la fin les gens viennent, ils demandent de l'aide. Alors pourquoi tu as commencé avec ça? On ne peut pas le juger. On peut essayer de lui expliquer. On ne peut pas juger une personne qui a perdu le sens ou le goût de la vie. Comment on va juger une personne comme ça? Quelqu'un a perdu sa femme. Et c'était son amour. 40 ans, c'était la seule qu'il aimait. Maintenant, il est tout seul. Maintenant, tu dois lui dire, dans les 30 jours, tu dois te marier. Il ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il peut pas, c'est difficile, il peut pas remplacer. On lui a pas dit remplacer, on lui a dit prends une autre pour que tu sois pas tout seul. Il peut pas. Mais il doit savoir, quand le cœur ne peut pas être lié à une femme, il sera lié à une femme. Ça c'est l'Ari Kadosh qui dit, il dit, les hommes qui sont déconnectés d'une femme, ils sont liés à une femme. À laquelle femme? À l'autre. C'est pour ça que c'est très 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 difficile ce que je vous dis. Mais il y a beaucoup de gens qui choisissent la voie, le chemin de la Torah contre la Torah. Pourquoi? Ils disent, moi je ne peux pas être avec une femme ni avec des enfants. Tout seul. Mais à Kadosh Baruch Hu, le seul endroit qu'il a dit l'oto dans la Torah, c'est Yot Adam Levado. Soit l'homme seul. Hein? C'est l'oto, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ça va emmener l'homme à se connecter à d'autres. À d'autres quoi? À d'autres images, à d'autres imaginations, à d'autres impulsions, à d'autres comportements, à d'autres. Tu veux être connecté, mais pas à une. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut la connexion. Pourquoi? Pour être un en face de l'autre, protégé. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Un qui perd sa femme, c'est pas qu'il veut être seul et se connecter à d'autres. J'ai expliqué encore une fois. Tu as perdu ta femme, tu t'es divorcé, 30 jours, tu dois prendre une autre. Ah, mais s'il pense à son ancienne femme. Pourquoi? Parce que si tu vas pas prendre une autre, c'est elle qui va te prendre. L'autre, elle va venir. C'est rigolo, mais c'est à la fois un peu triste, parce que la personne toute seule, seuls les gens seuls peuvent vous dire, c'est quoi d'être seul. Seuls les gens seuls peuvent dire, c'est quoi la solitude.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais eu des idées un peu à droite, à gauche. C'est la vie. Alors, la halakha nous dit que c'est quoi? La sagesse du chemin de la vie. Elle nous dit, ceux qui ne restent pas seuls, l'âge le plus tôt possible, mieux c'est, ces gens-là renforcent le quoi? Le clan de purification de du monde entier des étrangers. Et ceux qui se laissent aller encore un an, encore un an, encore un an, encore un an, et je ne l'ai pas trouvé, et je ne l'ai pas connu, et je ne l'ai pas vu, et je l'ai... Un jour, à l'âge de 50 ans, il se trouve tout seul, ou à 60 ans. Tzadik, dans tout ce chemin, une n'était pas bonne pour toi, quoi. Tu es un demi-dieu, toi. Marie-toi avec. Et avec quoi il se marie? Avec ceux qui sont des demi... demi-démons, demi-trucs, demi-trop. Et une vie de merde. Et après, des impulsions, et les gens, malheureusement, ne savent pas qu'est-ce que c'est créer cette impulsion, et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. En effet, on parle tout le temps de da'at. Vous voyez que dès le début, il a parlé de la da'at. La da'at, c'est la sagesse qu'on a derrière ici, qui est connectée à la natte des nerfs, qui descend par la colonne vertébrale, jusqu'au septième ganglion qui est juste en face de la Brit Kodesh, du Yesod, on dit en français, je ne sais pas comment dire, du membre essentiel. Et là-bas, d'où vient le liquide masculin? Les docteurs disent que le liquide masculin se fait là-bas en bas, dans les testicules, c'est pas vrai. Dans les testicules, il y a un liquide qui lui aide au liquide, liquide masculin de partir. Non, ce qui fait éjecter, c'est les reins. C'est la pulsion des reins qui fait éjecter. Mais là-bas, il y a un liquide. Pourquoi? Parce que ce qui sort du cerveau, c'est 2 mg. C'est rien du tout. Et si seulement ça sortait, ça se serait étalé sur le membre entier, dans le tuyau. Alors le liquide des testicules, il fait tout sortir vers la femme. C'est pour ça qu'il y a des hommes, que des fois, ils n'ont pas la force d'emmener des enfants. Alors on leur dit, ou ils n'ont pas la force des reins, d'envoyer la flèche, ça s'appelle, ou bien il n'y a pas assez de grains dans la flèche. Ça veut dire que... Elle est vide. Qu'est-ce qui est vide? L'envie, le désir, la sensation. Il est avec sa femme, mais il n'est pas avec sa femme. Où il est? On ne sait pas où il est. Mais s'il serait vraiment avec sa femme... Ça remplit. Moi, ça remplit. Il lui donne... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme a des envies et il a des endurcissements, cet homme-là, dit le Zohar Kadosh, obligatoirement a une présence féminine sur son corps. Wow. Alors non, j'ai pas compris. C'est-à-dire quoi, durcissement? Alors il dit, obligatoirement, il y a une femme invisible qui est sur lui maintenant. C'est pour ça qu'il a ça, parce qu'il dit, le Zohar Kadosh, il dit, tu n'as pas cet endurcissement pas cet effet, on va dire. Quand il n'y a pas une femme ou une pensée. La pensée. Alors il dit, d'où vient la pensée de la femme? C'est la présence de la femme invisible. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ça s'appelle la femme démon. Et elle, dit le Ari Akadosh, Shara Psukim, Parashat Shmot, il dit que eux, les invisibles, leur vitalité, leur vie, c'est quoi? C'est de prendre le liquide masculin. C'est ça qu'ils sont riches. Et faire naître des identités. Plein d'identités. Maintenant, regardez ce qui se passe. Entité. Ouais. Maintenant, l'être humain doit recevoir d'en haut un chèque de 100 000 shekels. Il n'y a pas de problème. 100 000 shekels, c'est bien par mois, on est content, il n'y a pas de problème, la banque nous aime, tout le monde. Mais les entités invisibles arrivent avant, puisqu'ils sont invisibles, donc ils sont au-delà du visible. Donc quand l'argent descend, qui prend premier? Les enfants qui nous appartiennent à nous. Puisqu'ils sont nés de notre liquide, donc ils nous appartiennent, mais le problème, qu'ils sont invisibles.
Et comme ils sont invisibles, ils se nourrissent de toute notre abondance. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, ils deviennent fous. Ils disent, je travaille dur, je vois pas l'argent. Où est l'argent? Ils ont raison ou pas? Et ils n'ont pas besoin de matériel, ils sont invisibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 100 000 shekels? Ah, là, parce que quand vous, vous voyez 100 000 shekels, non, mais c'est la bracha, eux, c'est ça qu'il veut dire. Eux, le 100 000 shekels, avant qu'ils deviennent de la matière, c'est de la lumière, on sait ça. Ouais. Donc eux, ils prennent les lumières avant que ça se matérialise. Le chef, ah oui. Ils ont pris l'abondance. Qu'est-ce que fait l'être humain sur Terre? Il pleure. Mais je travaille, j'en ai un aujourd'hui, il est venu me voir, 16 heures par jour de travail. J'ai dit, quand est-ce que tu dors et tu manges? Il me dit, je rentre à la maison, je vais dormir, je me lève le matin, je m'en vais. Il dit, s'il n'y a pas Shabbat, je ne vois pas mes enfants. La prison, c'est mieux. Il se retourne. C'est quoi ça? Et j'ai dit, dis-moi combien tu gagnes? Il m'a dit, 7000. Je ne les vois même pas. Wow. Et ma femme tout le temps me dit, il y a un découvert, il y a un découvert, il y a un découvert. Il lui dit, comment les couverts, ils ont découvert, qu'est-ce que c'est ça? Je ne mange même pas à la maison, c'est affreux. De ne pas ressentir le fruit de nos efforts. Ah ouais. Ça, ça s'appelle Nig'e Bene Adam. Et je ne veux pas parler de maladies, etc., etc., etc. Et les enfants qui pleurent au milieu de la nuit, qui se réveillent tout effrayés, parce qu'ils ont vu une entité comme ça dans la maison, elle n'est pas venue pour rien. Les enfants, les petits qui crient, c'est ça. Ah, c'est ça. Ils voient des mirages gris comme ça. Ça leur fait très peur. Ces, ces gris-là, pourquoi ils rentrent chez un et chez un autre, ils ne rentrent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pourquoi c'est un des enfants spécialement sur, par rapport à tous, c'est ça? Tout dépend de... La marche à bas pendant la conception? Lui, il a un frère qui lui ressemble et l'autre, il a un frère qu'il n'aime pas du tout. Oui, exactement. Ouais, c'est la bonne. Et les femmes, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Les femmes ont aussi le même problème. Quand elles se font plaisir toutes seules, sans un homme, c'est qui leur dit de se faire plaisir, de se toucher? Qui leur a... D'où vient cette idée? Normalement, c'est quand on est avec un homme. Donc, il y a là-bas une entité masculine. Et cette entité-là, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait naître des enfants, ça s'appelle Nirpin. Des enfants qui sont soumis à l'ordre du Yetzera. Ils ne vont jamais surmonter l'ordre du Yetzera. Jamais. Et ce sont les gens que malheureusement on appelle, ce sont des gens, des vrais, c'est comme ça, et qu'on voit qu'ils sont vraiment tout le temps attirés par le crime, par le mal, par le vol, par le... Et ils ne savent pas vivre autrement. Ils ont tout le temps la tête, on dit ça, la tête déformée. Pourquoi tu penses de cette façon? Et ceux qui ont connu dans leur vie les gens qui criminels, ils ont une façon de penser qui est... La façon de penser, comme vous dites, qui n'est pas la façon de penser que nous on a. Pourquoi? Ceux-là, ils sont créés du côté de la femme? Ils sont créés par le côté de la femme. C'est-à-dire, ils prennent l'ovule, je comprends pas comment ils peuvent faire créer de la matière avec quelque chose d'invisible. Lui, il rentre dans la femme. Oui. Et après, l'homme, il vient pour accomplir, c'est tout. Mais c'est lui qui fait plaisir à la femme. C'est pour ça qu'il est écrit que quand l'homme et la femme sont ensemble, ils doivent seulement penser à eux. Si la femme pense à quelqu'un d'autre, ou l'homme pense à quelqu'un d'autre, ça permet les entités d'être présentes. Plus encore, je vais vous dire une chose qui est très importante à savoir, c'est que la chambre doit être obscure. Pshat, Remez, Drash, Sod. L'obscurité ne permet pas aux entités de prendre parti de cette action. Quand il y a un peu de lumière, les entités ont le droit de prendre parti de cette action. Même bougie romantique. Ah, rien romantique, rien laïque. Même le truc du Mazgan, t'as pas le droit. Oui, on met le tocolant dessus. De moi, je l'ai pris. Ah, ouais, rien du tout. Non, tu peux faire travailler le Mazgan, mais tu mets autocollant. Pourquoi on a des solutions tout sauf à ça? Vous connaissez le problème? Bon, mets autocollant. Ah, tu es fanatique. Oui, fanatique. Mais les entités, ils prennent mon argent à la fin. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Après, tu me dis, on est au découvert. Ou tu mets un autocollant, ou bien un découvert.
Ça, ce savoir-là, Baruch HaShem, qu'on reçoit, de quoi? De la Torah qui est quoi? Qui est le guide de vie. C'est pas un savoir qu'on veut que les gens ont du mal. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, si tu es une lumière à plein jour dans ça? Mais le problème, c'est que quand tu fais ça comme ça à la lumière, il y en a qui font ça dans la rue, il y en a qui font ça dans des boîtes de nuit, il y en a qui font... Si vous aurez su ce qui se passe dans le monde est plein d'entités. Pourquoi il est plein d'entités? Parce que les gens ne savent pas. Moi, je dis, la personne qui ne se comporte pas comme il faut, c'est pas parce qu'elle sait et par force, elle veut se faire du mal. J'y crois pas, moi, ça. Moi, je crois que tous les gens dans le monde sont gentils. Sauf qu'ils ne savent pas. C'est l'ignorance. Et sur le moment, ça leur fait plaisir, peut-être. Ils aiment bien ça, sur le moment. Il n'y a aucun problème, mais si tu sais que tu fais ça... Ah ouais, quand on prend conscience, c'est autre chose. Après, tu ne veux plus, parce que tu comprends qu'en effet... Il y a le désir qui est très important. Ou bien des fois, que Dieu nous en préserve, on reçoit la richesse de l'autre côté. Ça vient aussi. Ah oui. Il y a des gens qui sont des trafiquants de drogue, qui sont ultra millionnaires, mais vivent toute la journée... effrayé d'être attrapé par la police, attrapé par Interpol, attrapé par je ne sais pas qui, Jean et Paul, c'est pas une belle vie. C'est une vie moche. D'où leur vient cet argent? Pourtant, eux aussi, ils ont fait des entités. Oh, parce que les entités, c'est eux qui leur donnent la richesse, qui ont pris de qui? De Jacques et Paul. C'est à ce point, c'est juste. C'est énorme. Mais c'est qui Jacques et c'est qui Paul? Il faut parler avec eux. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que dans notre corps, dans notre cœur, il y a un souffle. Ce souffle-là doit être un souffle de Kdusha, un souffle de pureté. Quand on n'a pas le souffle de pureté, on va avoir le souffle de l'impureté. Maintenant, on s'en fout, pureté, impureté. Mais le problème, c'est que la qualité de vie, ou bien le taux de souffrance change vis-à-vis de ce comportement qui est le comportement essentiel de quoi? D'emmener la vie et d'avoir du plaisir de vie. Au début de la Torah, la première fois qu'on voit le mot « vayevarer »,« va bénir », c'est quand il est écrit « pro ou vous ». Quand il leur dit « multipliez-vous », alors il y a des gens qui disent « multipliez-vous », c'est pour vous, faites des fruits. Alors c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on a besoin pour vous? Écrit dans la Torah, multiplie-toi et c'est tout. Il y a des gens qui disent, moi je fais l'amour juste pour des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, c'est pas la peine de faire ça. C'est pas vrai, prier, c'est dévoiler. Vepara et Rosh Aisha Bashuk, ça veut dire qu'il a dévoilé ses cheveux. Vasa prier quand on fait la circoncision. On fait une pria, on dévoile le membre essentiel. L'extrémité. Aussi, chez les femmes, nous avons le dévoilement du membre essentiel féminin. Ce qu'on appelle le clitoris. Clitoris, si ça, ce sont les lèvres de la femme, il est juste en dessous. Mais il est caché par la peau. Pourquoi? Parce que c'est un tendon. Si le tendon serait tout le temps à l'abri, découvert, elles n'auraient pas pu vivre ça parce que ça vibre très fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a mis une peau comme la nôtre, transparente. Ça s'appelle la pria. Et quand on lui fait plaisir ici, c'est un tendon. Quand elle redresse le tendon, ceux qui ont vu des images de ça ou des photos, c'est exactement comme un membre masculin. Et d'après la Kabbalah, ce membre-là et le membre masculin ensemble, ça fait un membre entier. Tant que elle n'a pas redressé son membre à elle, et lui, il n'a pas bien redressé son membre à lui, c'est l'occasion de vous dire que dans le corps de l'être humain, il y a encore un tiers de membre qui est intérieur. Et seulement quand on est ensemble plus d'une heure, ça commence à sortir dehors parce qu'il faut beaucoup de sang. Oui, ça ne suffit pas le sang, le premier, le deuxième, ça ne suffit pas. Il faut le troisième sang pour que ça sorte complètement. Ça grandit d'encore un tiers.
Il y a des gens qui font des efforts imaginaires pour grandir un peu. C'est pas la peine. On l'a dans le corps. Sauf qu'on est ignorant. Alors au lieu d'avoir plaisir de la vie intime, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire plein de choses. Déréglées. Qui ne sont pas... Quoi? Et dans le corps, derrière le l'os, ou le brité, il y a encore un tir qui sort. Mais il sort après à peu près une heure d'être ensemble, seulement après il sort. La plupart des gens n'arrivent même pas à cette heure. Et la femme, la plupart des gens, comment dire, sautent l'étape, ils disent qu'est-ce qu'on a besoin ici. Mais ici, d'après la Torah, ça s'appelle Nishou. C'est, on est obligé ici de faire plaisir. Comme on est obligé d'embrasser la bouche, on est obligé ici de faire plaisir. Si on fait bien plaisir ici, alors ça s'appelle qu'elle ouvre la porte et on peut rentrer. Tout ça, les gens pensent, oh, c'est moi, Shraf, qu'est-ce que tu nous parles de choses comme ça? C'est beau qu'un rabbin parle comme ça. Je leur dis, vous avez raison. Si on veut ressembler au démon, c'est moche. Mais si on veut ressembler aux cieux, c'est très très beau. Alors après qu'on va étudier ce paragraphe de Halakha de Ben Ezer, vous allez voir, je vais prendre un livre qui s'appelle Sharman Rajbi, et là-bas il y a un extrait qui s'appelle Parashat Truma, et vous allez voir comment le Ari HaKadosh explique mot à mot comment et pourquoi faire l'action physique. Et il dit qu'on fait ce qu'on fait parce qu'en haut ça se passe comme ça. On a une envie de faire ce qu'on fait parce qu'en haut, il y a une lumière qui fait exactement la même chose comme nous. Alors, et quand on a un manque, c'est pareil. Quand on a un manque, ça veut dire quand on s'est séparé. Et quand on s'est séparé en haut... Ça doit, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce que je veux dire, c'est que quand on a envie de le faire avec sa femme, est-ce que ça veut dire que là-haut, ça se leur manque? Oui, exactement. C'est pour ça que quand il y a un envie, il ne faut pas retenir ça. Parce que si on retient ça, Chas v'shalom, les entités invisibles peuvent venir contenter l'envie. Très souvent, de la femme. Que d'un seul côté, c'est ça. Attendez, de la femme et de l'homme. C'est pour ça que ce monde moderne. Et je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, la déformation est qu'on a éduqué les femmes, qu'elles ont une force plus que l'homme, c'est de permettre l'homme ou ne pas permettre. Ah, ouais. Et ça, c'est une éducation féministe qui n'a rien à faire avec le plaisir, qui emmène les femmes à être avec des femmes et les hommes avec les hommes. Et c'est pas ce qu'on veut. Il y a un séif avant qui dit « En Israël chashudim al revia fa'zacha » que les Am Israël ne font pas ça, ni homme-homme, ni femme-femme. Hey, Rabbi. On est loin du but, on est très très loin du but. Ils font tout le mitzvah d'Agava, tout ce qui est les hommes, c'est des filets en Israël, voilà. C'est fait. Et vous savez ce qu'il y a dans les réseaux? Il y a des religieux qui se dévoilent. Et alors, on fait toutes les mitzvot sauf ça. Quelle mitzvot? Qui parle de mitzvot? Tu fais ça, tu es... Tu ne pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les gens te disent, mais moi, je suis fou. Je prie avec la Kavana, je lis, j'étudie le Talmud, j'ai tous les jours un cours. Et bon, Hachem, la nuit, le cours. Il danse avec les démons. Que Dieu nous en préserve. Oui, et qu'est-ce qui est le problème? Qu'ils font ça, après ils vont étudier la Torah. Et là, il est écrit que la Torah va, vous savez, de l'autre côté. Ceux-là, qui sont au milieu, entre l'homme et le démon pur, l'homme pur, démon pur, ceux-là sont ni aimés par les hommes, ni aimés par les démons. Ils sont rejetés des deux côtés. Et ils se sont créés déjà aujourd'hui, Blainara, des villes entières et presque des états entiers de choses déformées. Mais ce n'est pas ça le but du monde. C'est pour ça qu'on est proche, comme d'or de noir. Comme la génération de noir, on est très proche. Ou bien ma chère va venir du bien, ou bien on va avoir l'autre côté qui va venir et c'est lui qui va régner sur nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit
rajouter du da'at. C'est quoi le da'at? Da'at, c'est le savoir. D'où vient le savoir? Il se connecte par l'amour. Ve'ahavta. Quand tu as la permission d'aimer quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est un grand cadeau, sachez, d'avoir la permission d'avoir quelqu'un à aimer. C'est pas simple. Pas tout le monde a quelqu'un à aimer. Quand tu aimes quelqu'un, facilement tu t'aimes. Et encore plus facilement, tu aimes Dieu. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas qui aimer. C'est pas que tu n'aimes pas. Tu veux aimer et tu n'as pas qui aimer. Alors comment ces entités de faire un impact sur l'être humain et lui prend au début sa pensée, da'at, sa connaissance, et après ils lui prennent son cerveau. C'est tout simplement, ils se connectent et ils pompent, jusqu'à ce qu'à la fin, les gens arrivent à des stades qu'ils n'arrivent plus à penser. Ils n'arrivent plus à penser du tout. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Réfléchis à ce que tu fais. D'où il va réfléchir? Avec quelle force il va réfléchir? Pourquoi? Parce que En marchev et arayot mitgaberet el abelev panuy mina chokhma. Le mauvais côté des pensées, c'est parce que le cœur est vide. Aujourd'hui, j'ai vu un garçon, 20 ans. Il a 20 ans. Si vous aurez vu le regard qu'il a dans les yeux de tuer quelqu'un, il a dit à sa mère, je retourne en France, je vais poignarder à mort telle et telle. Il a dit, mon fils, d'où tu as cette pensée-là? J'ai dit, 2 ans, il n'est plus dans les études. Il tourne dans les rues. Il n'a aucun sens dans sa vie. Il n'a aucun amour dans sa vie. Il n'a rien qui remplit son cœur. Qu'est-ce qui remplit son cœur? Où ça? Où tu remplis ton cœur de Kdusha? Ou bien ton cœur va être rempli d'air, quel air? Empoisonné. Et l'air empoisonné, qu'est-ce qu'elle fait? Circule dans le corps, arrive dans le cerveau, et empoisonne les pensées d'une personne. Et après, on se retrouve au tribunal, et que Dieu nous en préserve. Pourquoi tout ça? Parce que la personne a été empoisonnée. Et c'est pour ça qu'on doit garder notre cœur solide, plein de savoir qui nous emmène vers quoi? Qui nous emmène vers le comportement qui est le comportement juste. Tant qu'on n'a pas un savoir qui nous emmène vers un comportement qui est juste, il n'y a rien à faire. L'autre côté va s'imposer et c'est lui qui va nous donner son savoir. Et le savoir de l'autre côté, c'est le savoir qui va nous emmener vers la pollution de ça. Encore plus raison, je vais vous dire, que quand un homme est avec sa femme, je pars maintenant marier, tout va bien, et malheureusement, il pense à une autre. Quand il va tirer la flèche, la femme, c'est comme la terre. Vous savez qu'est-ce qu'elle est? La femme, c'est de la terre. Quand on tire la flèche dans son corps, elle ressent les grains. Elle sait exactement ce qui pousse. Et quand elle voit que pousse là-bas une autre femme, maintenant commence la guerre mondiale. Elle se lève le matin, elle est énervée. Elle ne sait pas pourquoi. Inconsciemment. Elle s'énerve, elle te dit, je ne veux pas m'énerver, mais je suis comme une folle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu regardes telle et telle? Et il y a beaucoup d'hommes qui disent, ma femme m'a dit, tu aimes celle-là. D'où elle sait? J'ai dit, mon fils, les grains de ta tête, ils sont dans son corps, pas dans ton corps. Alors elle ne va pas savoir quel est le fruit qui grandit. Maintenant lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est tombé amoureux d'une autre. Pourquoi il est tombé amoureux d'une autre? Parce que sa propre femme à lui, au lieu d'être une femme-femme, c'est une femme-homme. C'est une femme-démon. Au lieu de lui faire plaisir, non, pas maintenant. J'ai mal à la tête, elle se retourne. Et elle te dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'est mariés? Pour être permis, pour pouvoir être ensemble. Non. Ceux qui ont la chance d'avoir des femmes qui veulent être ensemble avec eux, à tout prix, gardez ça. Parce qu'elles, elles remplissent le cœur de quoi? De plaisir, de désir. C'est important ça. Mais ceux qui... Non, touche pas. Pas maintenant. Chier mal à la tête.
j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai des crampes. Hein? Ils ont toutes les excuses. Elles peuvent faire des livres d'excuses. Mais après, le monsieur, le pauvre, il va descendre la poubelle, comme tous les gens gentils le matin. Et il va acheter du lait. Et une petite, comme ça, à la Coupaïte, quoi c'est? Coupaïte, c'est la vendeuse, là. Elle dit, ah, monsieur Lévy, quand vous êtes beau aujourd'hui, il tombe amoureux. De quoi? D'une jeune qui ne serait jamais pensé à elle. Pourquoi? Pourquoi il rentre dans une histoire? Pourquoi? Parce que dans sa propre maison, il a un manque. Il n'a pas l'air de l'amour. Le souffle, ça s'appelle le souffle de l'amour. Le souffle de l'amour est une des choses les plus importantes qu'il y a dans la vie. Ça remplit notre cœur de joie, de connaissance qu'on est aimé. Même si on va à 5000 km loin de la maison, on reste, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais si le cœur est vide, on va à 1 mètre de la maison, pas content dans une histoire. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et moi, je dis des fois aux femmes, je leur dis, tu crois que ton mari veut ça? S'il aurait voulu ses problèmes, il serait revenu tous les jours à la maison dormir? Non. Alors pourquoi il tombe dans ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Son cœur manque d'amour. Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler aux jeunes filles, ceux qui vont se marier, leur expliquer. Tu vas te marier pour faire plaisir à ton mari, qui te fasse plaisir. C'est pas une direction que la femme doit faire le plaisir à son mari, non. C'est le mari qui fait plaisir à la femme, qui va faire plaisir au mari, qui va faire plaisir à la femme. Et c'est un 8 de l'infini. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va permettre à l'homme et à la femme d'être remplis d'air béni. Vous savez c'est quoi l'air béni? Je sais qu'elle m'aime. Il y a des femmes qui me disent, mon mari crie. J'ai dit, va l'embrasser au lieu de crier avec lui plus fort. Appelle-lui dans la chambre, embrasse-le dans la bouche. Tous les maris se taisent. Touk. Mute, vous savez c'est quoi mute? Deux, comme ça. Pourquoi deux? Sa bouche à elle et sa bouche à lui. Tu le mets ensemble, chquette. Il n'y a plus d'histoire, plus personne s'énerve, tout va bien. Ça, hein, c'est la vision de la vie. Au lieu de visionner le manque des gens, visionne le plus. Visionne comment te mettre en état de quoi? De recevoir de l'amour. Au lieu de dire quoi? Non, j'ai pas d'amour, je veux pas d'amour, je veux pas d'amour, je veux pas d'amour. À la fin, tu n'as pas d'amour. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi j'ai pas d'amour? Pourquoi j'ai pas d'amour? Tu l'as eu l'amour, Nahon? Pourquoi tu n'as pas utilisé? Oui, mais vous savez, monsieur le Rav, il y a plein qui me disent comme ça. Mais c'est tabou chez nous, on n'a pas le droit, on n'a pas. Je leur dis tabou, tabou. Mais à la fin, ghetto, pas tabou. Vous souffrez. De vous-même, vous souffrez. Pourquoi? Et pourquoi, quand on est tout seul, on se fait pas souffrir tellement? Hein? Faut être honnête. Alors pourquoi, quand on est en couple, on se fait souffrir? Grande question, hein? La réponse est le souffle qu'on a en nous. Est-ce que c'est le souffle d'un démon ou bien c'est le souffle de l'esprit de vie? C'est ça la seule question. Alors on voit que là, la halakha nous demande, Shema, yarchiv da'ato b'chokhma, tu dois élargir ta pensée dans la sagesse. Lama, she'en marchev et arayot, toutes les pensées qui sont arayot. C'est-à-dire de... Toutes les mauvaises choses. Interdites. Interdites, non, il y a... Bon, toutes les pensées interdites peuvent posséder le cœur, qui est quoi? Qui est vide de sagesse. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.